Dites-nous un peu quel est l'objet de votre visite à Kenya. Alors, comme vous le savez, la coopération entre la Guinée et le Royaume de Belgique revêt désormais un caractère, une dimension toute singulière parce que notre pays a été choisi parmi les 14 pays prioritaires pour l'aide publique au développement de la Belgique. Sur le plan diplomatique, nous avons enregistré des avancées très significatives, notamment la visite en Guinée de haute personnalité belge. Nous avons établi la commission mixte de coopération dont la prochaine session se tiendra à Bruxelles. Nous avons reçu donc un nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire résident en Guinée qui a récemment présenté ses lettres de créance à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Pour soutenir donc cette nouvelle institution, il a été mis en place un comité mixte paritaire de concertation pour faire alternativement une fois par an, qu'on a créé à Bruxelles, la revue d'ensemble du portefeuille de coopération afin de trouver des moyens de son renforcement. C'est donc à ce titre que, dans ce cadre, que nous venons de boucler deux jours de visite sur le terrain, sur l'axe essentiellement concerné par le programme de coopération en cours, qui est donc l'axe qu'on a dit Kindia-Mamou. Je dois dire que ces visites nous ont permis d'apprécier et d'évaluer de visu l'état de mise en œuvre des projets, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, de relever aussi l'impact de ces projets sur la vie des bénéficiaires et de cerner les défis et les contraintes aussi qui sont liées à la mise en œuvre de ces projets. Je dois dire que toutes ces leçons apprises nous serons d'une utilité certaine lorsque nous nous retrouverons le jeudi prochain à Conakry pour la grande réunion.